Je trouve cela honteux et irrespectueux. Ce mardi 6 novembre, Emmanuel Macron s'est rendu en visite officielle à Verdun, pour honorer les héros de la plus longue des batailles de la Première Guerre mondiale. Cette visite officielle du président de la République aura fait couler beaucoup d'encre. Juste après le week-end prolongé imposé par son épouse Brigitte pour se reposer, Emmanuel Macron s'est rendu ce mardi à Verdun, pour rendre hommage aux héros de la Première Guerre mondiale. Mais de nombreux polémiques ont surgi peu après cette visite officielle. Son évocation du maréchal Pétain n'a pas été du goût de tous, et ses commentaires sur les sans-papiers se sont ajoutés à la grogne d'habitants venus perturber la commémoration, pour protester contre la politique menée par le gouvernement. Mais le journal local, L'Est républicain, vient ajouter un mécontentement de plus à la longue liste des réclamations. Olivier raconte être venu à l'église Saint-Victor de Verdun, ce mardi à 10h30, afin de célébrer les obsèques de son oncle. J'enterrais mon oncle et toute la famille était réunie. Une heure.